contact. Et on l'a évoqué rapidement, mais toi, si je te demande, là, je ne te connais pas, Ouais. je te demande d'où tu viens. Je viens de banlieue. Je viens de, donc j'ai grandi en banlieue parisienne, donc je suis français. Je suis né à Clichy dans le 92. Je suis haïtien d'origine. Mes parents sont arrivés dans les années 80 d'Haïti. Ils ont quitté la dictature de Duvalier. Et donc ils sont arrivés en France avec rien du tout. Enfin, à l'époque, ça se faisait beaucoup. Les passeurs, tu connais une personne qui t'envoie, tu dois payer la personne. Et ils sont arrivés à Barbès, dans des foyers où ils vivaient avec d'autres personnes. Et en fait, j'ai un souvenir à Barbès quand j'étais tout petit. Il y a une photo que ma mère m'a montrée il n'y a pas très longtemps où en fait, c'est vraiment des trucs insalubres. Et le fait, l'appartement est tombé. Le plafond de l'appartement est tombé. Ah, genre Marseille, quoi. Ouais, je sais pas pourquoi Marseille. Parce qu'il y a plein d'appartements, d'immeubles insalubres qui ont fait l'actualité récemment, qui s'écroulaient. Ouais. Et apparemment, c'est un peu un sport. Bah, je dis ça parce que j'aime bien mettre des taquets à Marseille où vit toute ma famille, alors que je suis supporter du PSG. Et il y a beaucoup d'immeubles qui s'effondrent et qui sont absolument pas entretenus. Ouais, ben Marseille, quoi. c'était ce qui s'est passé ici à Barbès. Ouais. Et que ma mère, en fait, quelques secondes avant que le plafond tombe, elle me prend dans ses bras, sans le savoir, c'est tombé vraiment d'un coup. Et elle me dit que 5 secondes après, le plafond est tombé sur mon berceau. Il y a une photo où tu vois des grosses pierres sur mon berceau. À 5 secondes près, j'aurais pu crever. Barbès, j'ai toujours été eu ce côté un peu fort avec Barbès. Ah, je suis un survivant un peu de Barbès. J'ai beaucoup gardé ce lien avec Barbès, ce côté nord de Paris. J'ai vécu à Barcalé-Poissonnier et Barbès Ouais. pendant un long moment. Barbès, c'est un peu le. C'est un peu, enfin c'est, je sais pas, il y a, comment dire Barbès, que c'est pour la France? Parce que tout le monde connaît Barbès. Ouais. Tout le monde connaît Barbès. Barbès me monte à la tête. Je suis pas sûr que ça soit une de tes références. Non, c'est Paris, c'est pas la banlieue, Barbès, c'est Paris. Mais c'est Paris, c'est l'endroit, je sais que par exemple, moi j'ai travaillé aux Galeries Lafayette. Et donc on avait beaucoup de tourisme asiatique, chinois, et ils avaient des cartes où on leur disait de pas aller à Barbès. Et à ce côté-là, c'est fou de ce côté. Non, faut pas montrer Barbès aux touristes, alors que ça fait partie de Paris, alors que c'est un quartier hyper dynamique de Paris. Donc parce que c'est plein d'immigrés, et c'est un quartier qui est je vais pas dire le mot qui appartient aux immigrés, c'est pas du tout le cas parce que tu vas derrière les beaux commerciaux de Barbès, les beaux commerciaux, les beaux d'appartements. T'inquiète, il appartient aux Français, hein. Ou même aux Chinois, aux Russes. C'est pareil quoi. Donc il y a ce côté intéressant de Barbès. Parce qu'après, j'ai travaillé au McDonald's de Pigalle, qui est un peu plus loin sur le boulevard. Il y a arrivé beaucoup de touristes sont déjà fait voler là-bas. On va pas nier les faits. Mais en fait, ça, c'est un fait qui est universel. Pauvreté égale délinquance. Il n'y a pas de miracle. Tu vas dans n'importe quel endroit de la Terre. Enfin, c'est la pauvreté emmène de la violence et de la délinquance. La Révolution française, c'est pas les mecs riches qui l'ont créée, hein. C'est des mecs pauvres qui n'avaient pas de thunes, qui n'avaient pas bouffé. Donc, violence, pauvreté, violence. Bon, après, c'est un peu Bon, plus poussé que ça. Mais en fait, il y avait des bourgeois il y avait des qui bourgeois. Mais manipulaient, ceux qui ont ils foutu avaient le la masse. bordel, Oui. les bourgeois, c'est comme. D'ailleurs, c'est un autre truc, ça. C'est sur les. Peut-être on en parlera. Des espèces de révolutions ou des espèces d'avancées. Par exemple, si on prend la cause black, il faut de tout, en fait, pour faire. Quand il y a un truc à avancer. Ce qu'on peut appeler une révolution, il faut des violents, il faut des gens qui pensent. Les gens qui pensent de la révolution, oui, c'était les bourgeois qui ont pu créer la constitution et faire toutes ces choses-là, mais c'est la violence qui a fait que le truc a pété. Il faut de tout. Que le pouvoir a eu peur. Et le pouvoir, Ouais, si ouais. les gens n'ont pas peur, rien ne changera. Hein. Ouais. Tu m'as parlé de Barbès, tu m'as parlé de zone géographique. Ouais. Et je voulais te demander si ça signifiait quelque chose de vraiment important dans ton identité, ces origines de quartiers archipopulaires, principalement immigrés comme Barbès. C'est pas que ça veut dire quelque chose genre ouais, je suis ici, je représente. Nanana. Il y a ce côté-là, il y a ce côté-là. Je pense que c'est pas la majorité chez moi, mais c'est hyper naturel, je pense. Tout comme les Bretons, c'est hyper, hyper, ce qu'on peut, on peut utiliser le mot communautaire. Enfin, t'es fier, en fait. C'est un sentiment d'appartenance. T'as créé des liens avec des gens pendant des moments de ta vie où tu te construis. Donc, en fait, tu te construis avec les murs qui sont autour de toi, avec les gens qui sont autour de toi. Donc, ça ne se, le déracinement de l'endroit où t'as grandi, il est très compliqué. C'est presque, si tu te déracines, c'est presque un rejet. C'est quoi typiquement les endroits où tu te sens à ta place?
Et au contraire, typiquement, les endroits où tu te sens pas à ta place. Je me sens à ma place. Bah ouais, je me sens à ma place. Grave. Dans le centre de Paris, je me sens à ma place. Mais c'est pourtant, c'est plus bobo, entre guillemets. République, Gare de l'Est, le canal, je me sens à ma place parce qu'il y a cette côté effervescence. Il y a ce côté. Tu sens une atmosphère de mélange accepté. Mais un quartier full black, je suis pas sûr que je me sentirai à ma place. Un quartier full blanc, je me sens pas sûr que je me sentirai à ma place. Là, on vient de passer devant Château Rouge. C'est pas un quartier full black. T'as juste à tourner, tu vas à la rue Custine, à la gauche. Ouais, c'est pas un quartier full black. Ouais. C'est pas vrai. C'est un quartier, c'est mélange. Tu prends la droite et la gauche de ce trottoir, c'est pas le même, c'est pas la même population.